Fait que ils se sont troussés les manches, puis ils ont commencé à faire des numéros dans les rues, puis... Puis après? Ben, puis après, ils ont reparti à tourner. Non, je veux dire, pourquoi tu me comptes tout ça? Ça change rien pour moi. Non, mais donne-moi une chance, là. Tu vas voir. Bon. Fait que c'est après 6 mois avant qu'ils mettent les pieds à Montréal. Premier stop, le Mécanicard. On a repenti une trentaine de villages en 6 mois. On a donné une centaine de représentations à guichet fermé. Il n'y a pas un show qui ne s'est pas fini en standing ovation. Le monde, c'est partout pareil, M. Préfontaine. Craignez pas. Ils vont venir. Vous avez qui comme promoteur? Ma femme et moi. On fait tout ça nous autres mêmes. Ah oui, ça marche dans les villages, mais à Montréal, c'est un peu plus compliqué. Pour booker ça, une salle comme ça, là, ici, là, c'est... ça va me prendre des garanties. Oui. Tu as mes pieds, tu le sac d'or. Boss. Gustave Lambert. Humain. Va vous gager qu'ils sont vides, ces poids-là. Toi, étais-tu vide? Où c'est? J'en doute pas. Horace Barré. Je te connais. Je vous ai vu performer à Saint-Jean. C'est un honneur. Par ici. Il dit que j'ai pas le choix de venir vous voir, sinon il me demande en avance qu'il n'y a pas d'allure. Comprends. Je comprends. Mais remplir le Mécanicard, c'est pas comme remplir une grange. Oui. Ça, je l'ai compris. Merci. Vous embarquez ou pas? C'est ça que je veux savoir. Horace était bien impressionné par ce qu'il a vu, mais... Il va nous prendre plus de numéros. C'est moi qui monte le programme, je fais la mise en scène, puis je me charge la réclame. Puis je prends 60%. 50-50. Après mes dépenses. Correct. Puis... Je veux qu'on lance un défi à tous ceux qui devraient se pogner contre moi. Pas de problème. 200 piastres de ma poche à celui qui peut battre Louis-C. 200 ou ben non 2000, vous risquez pas grand-chose. Pour moi qui s'occupe de ça, c'est mon partner. Hein? Parlant d'avance, ça va m'en prendre une. Je me suis fait avoir une fois. C'est assez. Ça vient d'où, ça? Ça vient de Bryce. De sa famille, en fait. Il est mort l'été passé. Mmh. Ben, je t'apporte la lecture, moi aussi. 50-50. Ça peut valoir 250$ la séance. Ça, c'est un end-shop à l'Old World. Fier de toi. Non, 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 Lila. Signe-la, j'aimerais ça que tu t'occupes de mes affaires. De nos affaires. D'accord. Ça, c'est pour nous faire attendre jusqu'au premier show. T'en enverras moi aussi à mon père.
Toi et Johnston, tu sais jamais rien passé. Price m'a montré que les mots puis la poésie, ça nous élève. C'est tout ce qu'il y a entre nous deux. C'est pas rien, remarque bien. Non. Viens, mon gros ours, que je te montre c'est qui mon mari. C'est 200 livres. Je m'en fous. T'as pas l'air de forcer. Les gens vont avoir l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Règle numéro un, donner un bon show. Règle numéro un, donner un show vrai. Et du spectacle, oui. Hein, ça prend du piquant, un peu de théâtre, là. Faut surprendre le monde. Faites ta galerie. Quelque chose que le monde n'a jamais vu, c'est ça que ça prend? C'est ça. Peux-tu en parler ça, cette affaire-là, deux minutes? Si quelqu'un se sent capable de bouger cette plateforme de plus d'une tonne, il s'avance. 200 $ en jeu. 200 $ à celui qui battra Louis Cyr à cette épreuve. Go! 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 Vous n'avez rien à perdre, à part votre fierté, peut-être. Il n'y a personne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Louis Cyr! On s'était dit autour de 2000 livres. Thank you.